Bienvenue Pédiluve saison 2. Jérémy, ça sera coupé au montage. Vu que c'est la saison 2, forcément, c'est l'épisode... Quelque chose. Petite astuce de Krav Maga. Je suis dans ma zone sécurisée. Quand tout d'un coup, un intrus, je me mets instantanément en garde passive. Je m'approche. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez me révéler votre identité s'il vous plaît? Tu veux garder tes couilles, donne-moi ton bob. Hop là, je l'attrape par la gauche. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Très bonne question. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1 de la saison 2 et on va le faire comme l'épisode 1 de la saison 1. C'est-à-dire qu'on va faire n'importe quoi. Alors, je te donne la page 29 et la case numéro 5. 8, 9, 10. Père. Le mot c'est père. Maintenant il faut qu'on improvise un maximum de sketch avec le thème père. On va voir si en 10 épisodes on a progressé ou pas. Le thème d'aujourd'hui c'est père. 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 On est des juges de ligne. Il y a Benoît père est-ce que, et est-ce Gaël que, mon fils. Est-ce que notre première idée c'est vraiment sur Benoît père? En général quand quelqu'un qui crée quelque chose, il se demande tout le temps: oh c'est quoi, c'est pas la première idée la meilleure? Si, c'est la première idée. Oui, parfois ils sont en mode: ah, c'est pas la première idée la meilleure. Bah non, vraiment pas. Oh, on réfléchit à quelque chose. Oh, la première idée, oh c'est elle la meilleure. Oh là là, vous vous souvenez quand on avait eu cette première idée de merde? Alors que maintenant on a tellement évolué depuis. Allez allez, on fonce. Tête baissée, tête baissée. Tête baissée. Benoît père, Gaël mon fils. C'est de la merde. Mais bien sûr que non, c'est pas de la merde. Elle est là notre idée. Arrête de foncer tête baissée dans la première idée que t'as à chaque fois. Tête baissée. T'as vraiment dit genre: on fonce tête baissée. Un replay maintenant. Allez allez, on fonce. Tête baissée, tête baissée. Ne croyez pas les images que vous voyez. Père. Pourquoi pas un permis? Un permis c'était pas mal. Oh, on passe le permis, ouais. Ouais. C'est une idée que je viens d'avoir. Non. C'est pour le permis de conduire. Rentrez. Bonjour monsieur. Faites les réglages du véhicule, on va commencer. Bien sûr. Est-ce que tout le monde a sa ceinture de sécurité? Non, vous avez bien fait de demander. Eh ben écoutez, quand vous êtes prêt, on va pouvoir y aller. Plus de batterie. Appuyez, 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 on prend la descente. Ok, c'est bon. Ne vous laissez pas déconcentrer, hein. Prenez à droite, pas trop à droite. Attention, 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 le feu rouge. Prenez à gauche, on n'oublie pas le clignot. Pas trop à gauche. Ah, ne laissez pas déconcentrer. Hein. Ah, c'est mauvais. Accélérez, accélérez, accélérez. C'est limité à 30. Accélérez encore, encore, passez la troisième, passez la troisième. Prenez la rampe sur la droite. Quoi? La rampe. T'es un malade. Oh, à droite, à gauche, à droite, stop, stop. On va passer aux trois questions. Pouvez-vous m'indiquer le volant? Oui, c'est ça. Comment vous me trouvez physiquement? Je sais pas, je vous trouve bien. Vous voulez un café? Ouais. Vous aussi, vous voulez pas passer un permis comme ça? Alors choisissez Ornicar. Ornicar. Une super auto-école. Perdre quelque chose vers ta dignité. Hop là, j'ai ta dignité. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Ça, elle est à moi. On peut perdre, qu'est-ce qu'on peut perdre? Perdre d'as. On joue au poker. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Faites vos gains. Bienvenue pour la revanche du tournoi intercontinental de poker. Octave. Qui, je trouve, a fait une saison formidable et qui, en ce moment, représente vraiment les valeurs du poker. Qu'en est-il? Tapis. Suivre. C'est tapis pour les deux joueurs. Oh mon dieu. Oh là là. Oh mon dieu, mon dieu. Triple as pour monsieur. Ah là 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 là, il prend un coup aux côtes là, le joueur casse. Oh mon dieu. C'est un double puits. What the fuck. Double puits, double puits. Oh mon dieu, quand je vous disais que cette partie était légendaire. Quoi? Mais attends, mais pas du tout. Mais oh, faites quelque chose. C'est monsieur qui remporte la main avec pas des cartes. Oh, ça va là, oh. Double puits, j'ai triple as. Vous vous rasseyez. C'est dommage de la part d'Octave de s'énerver comme ça en fin de partie. C'est pas très grave. Rendez-moi mon argent. Monsieur, calmez-vous. Mais comment ça? Mais vous êtes un malade d'autoriser ça. C'est pas du poker. Non, je me calmerai pas. Non, je me calme. La sécurité qui le tase. Oh là là. Oh là. Il continue d'être tasé au sol. C'est possible qu'il en décède. Vous allez vous calmer maintenant. Monsieur. Monsieur. Doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement. C'est un double fuck. Un double fuck. Pardon monsieur, pardon. Pardon. Double faille pour monsieur. Voilà tout. Bravo. Ça va tellement m'aider financièrement tout ça. Moi de base je vis dans un petit HLM à côté de Lille. Et là bah, c'est... Il a plus double faille. Quoi? Quoi? Il a perdu son double faille, sécurité. Famille. Enfant. Fils. Gaël. Gaël mon fils. Putain de merde. On ne va pas faire ce sketch. On est en train de le perdre. Vite, un shot d'adrénaline. Ouvrez son cœur. Bon, ok, ok. Ouais. Rendez-vous, bande de salopes.
pas les trucs. Bah pardon. Et c'est la pression de la guerre, désolé. Non mais t'excuses pas, c'est de ma faute. Je suis agressif avec toi depuis le début de la journée, c'est ridicule. Bah on se tire dessus quand même parce que vous êtes quand même des belles salopes hein. Vous pas des salopes hein. Ah. 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 Oh. Ah, j'ai été touché. Ça va là. James, ça va? Ça va pas du tout, Marco. Je crois que j'ai été touché au cœur là. Tu vas mourir, James. Quoi? À cause de ces salopes d'Ouzbek. Tout ce qu'il nous faudrait, c'est une intervention divine, mais je ne crois pas en Dieu. Je vais y aller, tu seras un poids pour le groupe. Non, mais reste avec moi, tu restes 5 minutes. James, t'es foutu. Mais je suis pas foutu, je peux encore danser, regarde. Faut que tu les ralentisses un maximum. Quoi? Faut le sauver les squads. Je vais faire ça pour la France, je vais le faire. Je vais les ralentir. Par contre, tout ce qu'il faut que tu donnes ton arme. On en aura besoin pour les squads. Quoi? Prends ce couteau. Défends la France, James. Mais je peux pas la défendre, mais j'ai une balle dans le cœur. C'est un couteau en plastique. Si quelqu'un m'entend aussi. Je suis un peu touché. Vous êtes là pour m'emmener au ciel, c'est la fin. Je suis là pour te soigner, je vais prendre soin de toi. Tu as un couteau sur toi? Mes compagnons m'ont laissé un couteau. Je vais avoir besoin que tu te transperces le cœur. Quoi? Il faut que tu prennes ce couteau et que tu transperces le cœur. C'est mon seul moyen de te sauver. Est-ce que tu me fais confiance, Jack? Jack, prends ce couteau, transperce-toi le cœur, il reste que quelques secondes. Ah mmh. Montre-moi ton cœur, montre-le-moi. Bisous magique. Ça va mieux? Mais non, ça va pas mieux, mais je suis venu transpercer le cœur et tu m'as fait un bisou magique. Mais c'est quoi ce dieu de merde? Mais parce que moi je suis pas du tout un ange, je suis juste un mec qui a pris un gros taz. Très salope. Je suis ton père. C'est tout. Père, en père, Jean-Père Pernaud. Benoît, père. T'es mon père, mais je suis pas ton fils. Tu vas me donner un bain. Non, je vais pas te donner de bain. Comment vont mes deux filles préférées? Ça va, ma belle? Comment elle est là? Oui, elle a dormi toute la nuit. Par contre, elle pue. Tu veux que je la douche? Oh là 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 là. Je vais faire le petit rôle avant. Ma gueule. Bon allez, je reviens, bisous. A plus mes deux amours. A tout à l'heure. Mignonne, hein. Je te pose ici 5 minutes, je vais chercher du savon. A tout de suite. Magali, j'ai trouvé ton savon. Et tout doux, voilà, mon dieu. Ok, voilà. Ça va ma beauté? Papa. Père. Perdu, t'as perdu tes clés. J'ai perdu mes clés et j'arrive chez toi. Oh, vous faites quoi là? Vous faites quoi? Bonjour. Attendez, mais vous sortez de chez moi? Je ne sais pas quel est votre prénom, mais vous sortez de chez moi. Je m'appelle Marc et en fait j'ai perdu mes clés. Vous êtes un malade? Je viens d'Austerlitz. J'en ai rien à foutre que tu viens d'Austerlitz. Ça vous dérange de vérifier s'il n'y a pas mes clés en dessous de vos fesses, s'il vous plaît? Mais vous êtes un malade. Vous êtes un malade. Bah souvent on se dit ah elles sont où mes clés et souvent elles sont sous les fesses de quelqu'un. Donc je fais les fesses du quartier. Vous faites toutes les fesses du quartier pour retrouver vos clés. S'il vous plaît, je suis désolé mais j'ai pas beaucoup de temps. Il y a moyen que vous regardiez quand même sous vos fesses? Ah bah voilà, elles sont là. Bah merci. C'est gentil. Vous vous plaignez, elles sont là. Allez. Attendez mais vous pouvez sortir par là. Bonne soirée. Vous êtes bizarre. Bon, okay. Ça y est, on a assez de sketch là, c'est bien. Non. C'est bien, non, est-ce non, que non. Ça vous a plu? Attends, c'est la fin de cette... On fait un dernier sketch. Père, Benoît. Benoît père. Non. Stop. Non. On fait Benoît père comme dernier sketch. Moi vivant, jamais de ma vie, je ferai un sketch sur Benoît. Enfin, je te rencontre Gaël. Eh oui, Benoît. Je t'affronte enfin au grand chelem. Rentre dedans. Ah, Gaël, mon fils. Enfin, je te rencontre. C'est l'heure du... Tu es Benoît père, je te rencontre enfin.
je vais t'affronter et te détruire dans un match de ping-pong étant donné tennis, que tennis, 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 it's tennis, it's tennis, tennis. Please, 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 please. Please, please, it's tennis, please, please. Por favor, it's tennis. Por favor, it's tennis. It's not ping-pong, por favor. 15-0. Quoi? Attends, t'as gagné le match là? T'as gagné un point avec ça? Oh! Je la sens pas, c'est nul, c'est nul. Eh mec, mec! S'il te plaît, fais-moi plaisir, fais-moi plaisir. Gaël, mon fils et Benoît Père qui s'affrontent dans un match de tennis, moi. C'est pas une blague. Tu te calmes. C'est du favoritisme pour Benoît Père. C'est qui ton père qui t'a élevé comme ça, comme une merde? C'est Benoît, c'est Benoît Père. C'est moi? C'est moi ton père? Ah ouais, mon père c'est Benoît Père. Oh, mon fils, c'est toi mon fils? Ouais, Gaël, mon fils... mon fils, c'est moi, Benoît Père. C'est moi, c'est ton papa. C'est Benoît Père, mon fils. Mon fils Benoît Père. Père Benoît Père. Gaël. 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 Gaël, mon fils, c'est Benoît Père. C'est une très bonne blague. Hey oh, les gens qui dislike. Oh. On voit le nombre de vues qu'augmente, on voit le nombre d'abonnés qu'augmente. Voilà, ça augmente. Merci, merci tellement. Dites-nous quel a été votre sketch préféré d'aujourd'hui là. Et s'il y a 100 000 likes, la Pédiluve Army, les Pédiluviens, 100 000 likes sur cette vidéo et on fait un épisode 2. C'est le début de la saison 2. Ouais. On est ravis de vous retrouver. On va faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Franchement, montez dans le train avant qu'il soit trop tard. Il sera jamais trop tard. S'il vous plaît, montez dans le train. Ne le loupez pas. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, aimez. Embrassez votre grand-mère. Pédiluve 1 saison 2. On retravaille au travail. Un jeu à zéro, on reprend.